La province de Taza recèle d'importantes potentialités naturelles susceptibles de lui permettre de devenir un pays d'accueil touristique par excellence et de promouvoir le tourisme écologique et spéléologique, ainsi d'améliorer les conditions de vie de la population rurale. Cette province est une province montagneuse comportant une zone rifaine et une zone atlasique. C'est la jonction entre le Rif et le Moyen Atlas. La ville de Taza est d'ailleurs située au nord-ouest du Maroc, dans le couloir de Taza, et géographiquement située dans la zone frontière entre les deux chaînes montagneuses, devant laquelle se dressent les collines du pré-Rif et derrière laquelle se dressent les imposantes montagnes du Moyen Atlas. Le nom de la ville vient du berbère Tizi qui signifie le col. Cette ville se caractérise par un milieu naturel riche et notamment avec le parc national de Teska, la grotte de Friwato, Bebboudir et Raslma.
Ras El Hamah, à 13 km de Taza, la situation géographique de Ras El Hamah est attrayante, caractérisée par la présence de reliefs montagneux, presque 1100 mètres d'altitude, d'une source d'eau, d'un oued, de cascades, de forêts et de grottes. La route en corniche surplombe les cascades de Ras El Hamah. Elles sont abondantes de novembre à mai et parvient à la source qui s'écoule parmi les frênes, les cerisières et les oliviers. Il s'agit d'une résurgence des eaux absorbées par les terrains calcaires qui la dominent. Ras El Hamah est une source d'eau qui jaillit directement de la montagne, une oasis de fraîcheur qui offre une vue superbe sur la vallée. On peut dire que cette source est le seul fournisseur de la ville en eau potable. C'est un site magique et envoûtant, avec vue imprenable, cadre idyllique et époustouflant, l'endroit idéal pour se détendre au soleil, un déjeuner pique-nique ou une promenade le long du oued.
Et la présence de tout ça le rend comme l'un des endroits rêvés pour les amateurs de marche et randonnée, aux passionnés de la randonnée pédestre et des sports de montagne, ainsi qu'à ceux qui cherchent un moment de tranquillité loin du stress urbain. La montée continue assez rude dans un paysage rocheux,
parsemée d'oliviers et de chênes verts, offrant encore quelques belles vues sur Taza et son site.